Juste avant de commencer, petit disclaimer, ne refaites pas ça chez vous. Wesh wesh canne à pêche, aujourd'hui je vais vous montrer comment passer d'un joueur console tout pourri à un PC Master Race. Bon déjà, vous prenez du tape, puis vous en mettez sur les trappes de ventilation, comme ça va l'empêcher de respirer. Prochaine étape, prenez une carabine, puis tirez dessus. Après ça, prenez un gros 4x4, puis roulez dessus! Après ça, mettez de la gasoline dedans. Après ça, bah, foutez-y le feu. Une fois que vous êtes débarrassé de votre calice de console, vous pouvez build votre PC. Ouais, buildez-le. Je sais, ça peut avoir l'air dur pour vous, les petits joueurs console, mais vous allez voir, c'est super simple. Déjà, il vous faut un boîtier. Juste ici, j'en ai un très beau. Après ça, il vous faut une carte mère. Bon, j'avoue, j'en ai pas sous la main, mais faites comme si j'en avais une. Après ça, il vous faut une carte graphique. Celle-là, c'est une Matrox. C'est une très très bonne carte graphique, ouais. À cette heure, foutez-la dans le PC. Après ça, vous mettez la RAM. Ici, on a une barrette de 1 giga de RAM. Ça, vraiment, c'est très 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 puissant. Encore une fois, vous la foutez dans le PC. Après ça, il vous faut un disque dur. Bon, le best, c'est un SSD, mais j'en ai pas un sous la main. Une fois de plus, vous le foutez dans le PC. Aussi, bien sûr, faut pas oublier de mettre les ventilateurs parce que c'est très important pour pas que le PC chauffe. Et puis, pour la dernière fois, vous le foutez dans le PC. Et voilà, on a notre magnifique PC Gamer. Et puis là, bah, vous pèsez sur Run puis vous priez pour que ça marche. Ben voilà, ça fonctionne très bien, puis en plus quand vous faites des erreurs en le montant, et ben ça se répare à regarder, là vraiment, il a l'air beaucoup beaucoup plus puissant comme ça. Maintenant sur PC, déjà vous allez pouvoir jouer en qualité supérieure, en plus vous avez tous les jeux consoles, en plus de des jeux que les consoles n'auront jamais, puis comme si c'était pas assez, vous avez même pas besoin de payer d'abonnement pour jouer en ligne. C'est-tu pas beautiful ça? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker puis à vous abonner. Ça m'a pris beaucoup de temps à la faire. Et puis, bah, moi, je vous dis, ciao les Creeper Drivers!